Ah, c'est l'heure de souffler un peu. Ah, vous êtes là. Bon, alors je ne vais pas prendre de petites pauses. Bienvenue dans le 5e épisode de SEO on the go. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment intégrer vos mots-clés dans votre contenu sur votre site web. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué comment choisir des mots-clés de qualité et adaptés à votre entreprise. N'hésitez surtout pas à la regarder, le lien est en description. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer vos mots-clés, par où commencer pour savoir où les placer et finalement comment ne pas chambouler tout ce que vous avez déjà sur votre site internet. Alors, vous avez déjà peut-être 10, 20 ou 30 mots-clés que vous souhaitez rapidement intégrer à votre contenu. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite. Procédons par étapes. La première étape consiste à comprendre les besoins de vos clients cibles en recherchant leurs mots-clés. Mais comment faire? C'est simple. Il vous suffit de vous mettre dans la peau de vos clients cibles et de vous poser les questions suivantes. J'ai besoin de quoi? J'essaie de résoudre quel problème et quelles sont mes intentions? Avec cette méthode, vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile de trouver les mots-clés. Ensuite, pour la deuxième étape, demandez-vous sur quelle page de votre site internet est-ce que vous utilisez ces mots-clés? Quelles phrases ou mots-clés pourriez-vous modifier ou réutiliser pour répondre aux intentions ou aux besoins de vos clients cibles? Une fois ce travail effectué, vous serez en mesure d'identifier les mots-clés qui sont déjà présents sur votre site et lesquels doivent être ajoutés. Finalement, la troisième étape est la plus conséquente et la plus importante. Vous devez intégrer les mots-clés précédemment identifiés à votre contenu. Ce que je vous conseille, c'est d'écrire régulièrement. Donc vous pouvez écrire toutes les semaines ou chaque deux semaines. Vous pouvez écrire des blogs, des communiqués de presse, des fiches produits par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec les personnes intéressées et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun conseil sur le marketing digital. Merci de votre attention et à bientôt !